sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour terminer la défonceuse sous table. Donc, on va repercer la plaque pour pouvoir y installer la défonceuse. On va aménager ce petit caisson, donc avec du MDF, quelques chutes, quelques découpes, un peu de clouage au pistolet pneumatique. On va également installer le petit ascenseur. Tu vas voir, c'est un truc tout simple, je te l'ai déjà présenté dans la vidéo précédente. Le lien est dans la description d'ailleurs si jamais ça t'intéresse. On va également tester le système d'aspiration à la fin avec le guide parallèle que j'ai fabriqué dans la dernière vidéo. Et puis je t'expliquerai aussi mon petit système que j'ai fait pour la mise en marche et l'arrêt de la machine. Tu vas voir. C'est parti! Donc c'est terminé, je vais t'expliquer un petit peu l'idée que j'ai eue aussi pour l'allumage. Donc j'ai mis un petit bout de fil de fer ici pour maintenir enfoncé le bouton d'allumage de la défonceuse. J'ai relié mon câble sur mon aspirateur. Donc ça c'est les aspirateurs, tu sais que tu peux brancher une machine dessus. Et que quand tu appuies sur ce bouton ici, ça allume à la fois l'aspiration, donc l'aspirateur, et ça allume à la fois la machine qui est branchée dessus. Donc j'ai relié l'aspirateur aussi à mon système d'aspiration qui vient ici aspirer les copeaux. Ça fonctionne super bien, je viens d'essayer, ça fait vraiment un vortex à l'intérieur qui aspire vraiment toutes les poussières. Et une fois que j'appuie sur ce bouton, ça allume à la fois la défonceuse et l'aspirateur, regarde.
Et quand j'éteins l'aspirateur, ça éteint également la défonceuse. Donc on va faire un petit essai, je vais te zoomer là-dessus. Comme ça, tu vas voir vraiment tous les copeaux qui sont aspirés directement par l'aspirateur. Regarde, je te refais un test en allumant simplement l'aspirateur et non la machine. Tu vas voir comment ça aspire bien. Et voilà, donc c'est terminé, j'espère que ça t'aura plu, en tout cas moi ça me fait plaisir parce que je vais enfin pouvoir faire pas mal de choses avec cette défonceuse sous table. Le système d'aspiration, tu vois qu'il est vraiment très efficace, le petit système d'élévation également, donc moi je suis super content, je vais pouvoir faire du bon boulot, des nouvelles choses, voilà, c'est cool. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter, si t'as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir, et je te dis à la prochaine, salut !